Déjà, vous, derrière vos écrans, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, au-delà, il ne pas vous dire que ça va parce que franchement, je ne sais pas si ça se lit sur mon visage. Je ne vais pas bien du tout. Je suis grippée. J'ai mal à la tête. Et Marie, ça, je suis là à cause de vous. Hein, à cause de vous. Aujourd'hui, je suis à Pobwe. Plus précisément au grand carrefour de la mosquée, je crois. Oui, plus précisément au grand carrefour de la mosquée. Pour un thème qui, moi-même, me fait rire déjà. Le thème, c'est le suivant. Est-ce que gros cuit. Est-ce que gros cuit fait dépenser garçon? Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, selon toi, je sais pas, on connaît pas pour les autres là, selon toi, est-ce que gros cuit fait dépenser? Ah, comme tu as dit, selon moi, en tout cas, moi et ma chérie, elle a gros cuit même. Donc c'est déjà un atout pour moi. Gros cuit l'a fait très dépenser. Moi, c'est quand tu es amoureux, tu peux faire tout. Hein. Quand tu es amoureux, tu peux faire tout. Pour moi, c'est l'amour qui prime, quoi. Bon, en temps normal, gros cul ne fait pas dépenser. C'est la femme même qui fait dépenser l'homme. Expliquez-moi, je comprends pas. Juste parce que tu regardes son modèle et si elle est ton style, elle est ton jaille. Ça dépend de toi. Tu peux la prendre, aller t'amuser avec elle selon son, bon, je peux dire, son modèle, sa forme, ça qui t'excite à aller vers elle. Il y a des connaisseurs vagues et il y a des connaisseurs bêtes. Bon, selon toi, Abidjan ici, là, est-ce que le gros cuit va dépenser garçon? Pas forcément. Il y a des filles qui sont minces, qui font dépenser les hommes. Pas forcément avoir gros cuit pour faire dépenser un garçon. Maintenant, ton genre, c'est quoi? Bon, moi c'est pas le gros cul. C'est quoi, les films minces? J'aime ce qui est juste. Juste? J'aime pas ce qui déborde. J'aime ce qui est juste. C'est-à-dire, si une fille n'a pas fesse, toi, tu l'as dans quoi? Moi, j'aime fesse, j'aime la chair, comme Beno l'a dit. Hein. T'as fait quoi, os? S'il y a viande. Donc, c'est comme ça pour moi. Hein. Moi, ma gamme, c'est ça. S'il n'y a pas viande, non, moi, je ne peux pas manger crèche. Tu es prêt à mettre tout ton salaire sur une fille qui a fesse? Marche, tranquille. Tout est gâté. Tout est gâté. Toi, ton genre de femme, c'est quoi? Moi, mon genre de femme. Moi, j'aime les femmes taille fine. Non, toi, tu n'aimes pas femme qui a fesse? Moi, j'aime femme qui a fesse. Mais je ne l'aime pas. J'aime juste le modèle de ses fesses, c'est tout. Mon plaisir, c'est tout. Sinon, mon modèle de femme qui moi-même j'aime les femmes taille fine. Ah, ça, c'est clair. Femme qui a gros qui fait dépenser, garçon. Et celle qui n'a rien derrière? Non, moi, celle qui n'a rien n'est pas me faire dépenser. Pourquoi? Ah, mais c'est comme ça. Habillant même là. Toi, mais tu connais que c'est le gros moteur. En tout cas, je peux te dire que ça dépend de comment ça remue. Là, c'est pas bon des yé. Et quand le garçon voit le truc, de la manière ça bouge là, c'est ça qui l'inspire à investir. Petit. Donc si ça bouge pas, il n'investit pas. Ça dépend des dépendaisons. Ça dépend de quoi? Des dépendaisons. Moi, j'aime femme qui a fesse. Femme qui a fesse, finit ton argent. Non, ça dépend de moi. Comment ça? Bon, si j'aime sa rondeur, voilà, je mets tous les moyens disponibles pour qu'elle soit à mes côtés. Selon moi, gros, qui fait pas dépenser. Quoi? C'est la personne qui tire, c'est le compte qui fait dépenser. C'est quoi? Le compte qui fait dépenser. Nous sommes dans la main de Babi. Moi, elle a quelque chose derrière. Oui, non. En fait, j'aime pas les filles qui sont minces. Voilà, avec un peu en chair. Les filles qui sont un peu en chair, comme vous par exemple. Voilà. Ça déborde pas. Juste. Donc, ce genre de fille-là, tu es prêt à vraiment dépenser? Non, là, je peux me tuer même pour elle. Ah! Moi, en tout cas, c'est une fille belle, pas forcément gros cul. Elle est mince, elle est belle, elle est bonne. Même si c'est son dos qui continue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Tu prends. Ah, ça va dépendre aussi. Hein. Ah, ça dépend de quoi? De plateau, qui va faire quoi ça? Ah, donc on suppose que tu aimes les filles un peu qui ont quand même derrière. Bon, je pourrais dire équilibré quoi, parce que tu peux pas avoir de bon devant et puis derrière, comme un plateau, c'est si, il y en a qui ont bon devant, elles sont belles, mais elles n'ont rien. Personnellement, moi, je peux pas accepter ça. Nous sommes en fait, vous les frustrer. On les frustre, mais c'est pas de leur faute, c'est le mouvement qui est comme ça, on fait comment? Donc toi, tu es prêt à mettre tout ton salaire sur une fille qui a un bon derrière? Non, pas tout mon salaire, mais c'est qu'elle va prendre beaucoup quand même. Et toi, gros, qui peut pas se faire dépenser? Gros, qui peut pas me faire dépenser? Ça te dit rien, mais tu vois ça dans les rues, ça te dit rien. Non, je vois ça, ça me dit quelque chose, ça m'excite, c'est ça que je te disais, ça m'excite. Et ça me permet encore de dépenser mon argent.
bête. Mais elle te fait dépenser quand même, vu que tu dis non que tu vas avec elle parce qu'elle a un gros cul. Tout, tout. Oui. Genre, ça, que ça te fait dépenser. Ça me fait dépenser. Là, je ne peux pas dire le contraire. Ça me fait dépenser parce que aussi, en deuxième partie, c'est un deuxième modèle de femme que j'aime. Con, la bête. Quand tu as besoin de con, tu deviens con. Oh! Moi-même, là, j'aime ça, tu vois, non? Le format normal. Ngo qui rappelle les conditions de température. Ngo qui rappelle les conditions de température, là. Là, c'est zo, il n'y a pas de souci dedans. Voilà. Donc, quand on dépense, là, il n'y a pas de problème. Du moment où elle a ça. Non. On dépense, mais on dépense, on sait comment on dépense. Voilà. 1 million, il n'y a pas donné tout 1 million, là. En tout cas, personnellement, physiquement, pour moi, là, si elle a, voilà, si elle a pas la forme, c'est pas... En tout cas, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les postérieurs. Et... Tu dépenses comme tu veux. Sinon, gros, qui fait pas dépenser. C'est... Attendez, j'ai pas bien compris. Gros, qui fait pas dépenser. C'est con, tu fais dépenser. Quand tu veux con, tu dépenses comme tu veux. Parce que à cause du con, tu deviens con. Est-ce que gros cul fait dépenser garçon, Abidjan ici? Ouais, Abidjan ici, gros cul fait dépenser garçon. J'en appelle Abelsogo. Ah. Le gros cul, quand tu vois le gros cul, ça me donne envie de dépenser. Voilà, après quand tu manges le truc, tu sais que tu manges quelque chose. Non, quand il parle d'armement, il parle de stratégie. Donne-moi tes stratégies. Bon, d'abord, les femmes, elles aiment la propriété. Donc, il faut être frais. Quand il dit frais, là, il faut être toujours propre, toujours bien mis, zo, bien coiffé, tranquille. Déjà, même à sa pelle, c'est comme Jean, miel et fumi. Ah! Comment veut dire cela? Femme qui a fait ça, tu n'aimes pas. Non. Si tu vois quelqu'un, tu vois une femme qui a fait ce qu'il veut, c'est con qu'il veut. C'est pour ça qu'il dépense. Mais MS là, c'est pas même tout là. C'est ça, il dit là. C'est con qui fait dépenser, sinon c'est pas le modèle qui fait dépenser. Ah, d'accord. Maintenant, vous mettez votre femme là, elle est comment? C'est là. Un modèle. Vous ne vous embrouillez pas, un petit modèle. Un modèle, il prend pour aller où je veux, partout. Mais toi, mon André, toi, tu es un peu. Toi, mais tout dans ton ventre vient, tu vois. Toi, tu es un peu. Donc, avec ça, là, tu es sûr que tu taxes pas trop les gars, là. Bien sûr. Un bon cœur, même, il est là-dessus. Donc, quand tu manges une fumée, tu sens pas que tu manges. Mince, là, c'est comme os. Tu peux te mettre PD. Tu vois le gros cul, c'est qui mourent, le gros mince, là. Des mecs sont aussi pédés. Et que nous, on aime le gros cul. Après, ils passent dans le vin derrière nous. Ouais, c'est ça. De pourcent comme ça. Comment en matière de pourcentage quoi? Et là, quoi de moins 70%. Hein. 70% de ton salaire. Ouais. Parce qu'elle a cuit. Ah, toi aussi, elle m'aimait bien. Parti. Supposons que tu es avec elle, elle est arrivée un moment, elle, je sais pas, elle tombe malade ou un truc du genre et fait ça, ça s'en va, tu verras. Ah! Oh, y a maladie dedans. On essaie de soigner, mais si ça va pas là, on va. Y'en a qui tombe là, fait ça, ça vient plus, on sait pas pourquoi. Eh, mais fesses. Ça vient plus. Non, tu fais comment? Non, fesses là, ça pousse vraiment. Moi, je sais pas. Hein. Le cas de modernité. Donc, toi, si une fille n'a pas fesses là, toi, tu vas pas vers elle. C'est ça, il dit, ça dépend de comment ça remue. Mais si elle n'a pas fesses, est-ce qu'elle va remuer son dos? En tout cas, comme je dis un bon Africain. J'aime d'abord la qualité, Adam en qualité, j'aime foutou. Quelqu'un qui aime foutou là, il aime quand c'est bien truc, voilà. Quand c'est bien truc là, d'abord tu me frappes d'abord. Mais là quand tu dis petit modèle, je te promène avec là, c'est moi comme quoi. C'est le modèle que toi tu veux, moi c'est ce que moi j'aime le petit modèle. Il prend pour aller où il veut. Où? Partout où il veut, c'est ce que je veux, donc je garde ça. Donc je peux aller partout. Le gros cul là, c'est pour un moment. Voilà, c'est pour, c'est tiens non. D'accord, merci. C'est les garçons qui te draguent, tous là, ils aiment fesses. Non, c'est pas eux tous qui aiment fesses. Mais tu, combien de gars comme ça que tu as connu ont aimé ton derrière, quoi? Bon, 600, il y a... 600? 600, il y a 99%. Est-ce que vous savez, c'est à cause de vous, les filles, elles vont prendre les trucs pour avoir les fesses-fesses, là. C'est un pouille, non, je vais pas en voir. Si c'est le, ça s'en va, la relation arrêtée. Tu es malade, comment tout finit pas sur toi? Il y en a qui ça finit. Non, même garçon, quand tu es malade, ton bijou là, il diminue pas. Donc, fesses des femmes, là, ça diminue, c'est que c'est pas original. Fesses
là, ça vous apporte quoi en fait? Quand tu attrapes là, tu sais que tu as attrapé quelque chose. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas fait ça. Tu... Elle n'a rien. Tu n'as pas dit où est ça? Ah, toi, mais quand tu l'attends, même, tu ne la vois pas. Tu passes quelque part, même, tu passes inaperçu. Ouais. Maintenant, c'est qu'elle fait ça. Quand tu te promènes, on dit ouais, tu es un champion, c'est ça? On te glorifie même. Quand je dis mon goût, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Voilà. Tu prends parce que voilà, elle est bon derrière. Voilà, parce qu'elle est un bon cuit, elle est en forme. Je peux bien la pédaler et puis je peux la mettre à l'aise. Parce que j'ai une grande queue aussi. Ah. Voilà. Et si elle n'a rien, même si elle n'a pas de fesses, mais qu'elle est, elle est jolie, elle a un bon comportement et autre. Ah. Si elle n'a rien, qu'elle a bon comportement. Elle n'a pas fesses. Hein. Non, mais femmes, il y a beaucoup. Donc, il y en a aussi qui ont fesses et puis elles ont un bon comportement. Sans diplôme, on peut gagner un travail. Donc, s'il n'y a plus fesses. Si elle n'a plus fesses, il est mauvais. Ah bon? Oui. Donc, avec elle, même si tu l'aimes, si elle n'a plus fesses, tu t'en vas. Ah, si je l'aime, ouais. Non, bon, ça va être un peu compliqué. Tu sais, j'aime. Voilà, tu sais. Il dit voilà. Le temps de remonter un peu, lui donner tous les besoins, tous les atouts pour que ça revienne normalement. Quoi. On dit que c'est l'extérieur qui attire, mais l'intérieur qui retient. Toi, là, c'est pas ça. Hein. Pour toi, là, c'est pas ça. On dit, est-ce que Koku fait des pensées? Casson. Toi, ça te fait des pensées, c'est clair. Mais si elle est malade, on doit dépenser pour remonter. Si elle a la forme, mannequin, là, ça roule. Voilà. Mais moi, c'est pas en forme, elle prend quelque chose qui n'est pas en forme. Ça, c'est pas intéressant. On fait quoi dans la maison là? C'est brou, 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 c'est bon, on attend dans la maison là. J'ai été invitée par Jean-Yves. Jean-Yves, tu vas répondre à ma question d'abord, avant qu'on ne clôture l'émission. Gros cul, là, ça fatigue. Donc, quand tu as, ça fatigue. Ouais, parce que là, comme je te l'ai dit là, quand tu vas finir le premier même, quand tu regardes, quand tu déshabilles, tu vois le gros cul, tu regardes ses versets. Et même, demain, tu as barré pour que ça arrive là. Ouais. Tu oublies de gérer le oui. Donc, tu gères et puis là, tu avances. Mais quand tu attrapes un beau cul, même si c'est habillé, quand c'est habillé, quand tu vois de loin, là, tu es fatigué. Ça là, quand tu attrapes là, toi-même, tu n'es pas prêt à l'aise. Donc, peu importe. Tu donnes ton moi. Bon. Donc, toi, ton genre de femme, c'est quoi? Ah bon, c'est les filles bien, les beaux cuits. Donc si c'est une fille mince, ça va se faire. Bon, les filles minces. Bon, on joue pour le maintien et la forme, quoi. Voilà. Quand on n'a pas envie de trop se fatiguer, le maintien, bon, on prend et puis là, puis on roule avec. Sinon, là, les gens même, là, c'est les beaux cuits. D'accord, donc je vais te laisser. Hein. Tu vas la phrase est dit à chaque fin d'émission. Toi, mais tu vas dire ça. Je suis fatigué. Je suis malade. Je suis fatigué. Donc tu vas faire ça pour moi. Bon, d'accord. Au fait, les amis, on va pas vraiment se mentir. Hein. Sachez que l'émission, c'est la bonne. Elle nous amuse bien. Elle nous donne vraiment du sourire à tout moment. Donc, s'il vous plaît, venez comme moi, comme d'autres amis aussi, liker et partager. Voilà, puis donner beaucoup de vues à l'émission. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Voilà. Merci. Gros cul, il y a gros cul et puis il y a gros cul. Oui, c'est quoi la différence entre gros cul et puis gros cul? Il y a gros cul, il y a c'est poto. Et puis il y a gros cul, c'est sexy. Donc vous faites le gros cul sexy. Puis poto, c'est pas bien tout. Souvent, mais elle en passe au caleçon, mais peut-être pour une manière. Original là, c'est comment? Et puis ce qui n'est pas original là, c'est comment? Original là, quand tu vois l'original, quand tu vois le format original là, il n'y a pas trop de choses dessus, des fissures dessus comme pour les testicules là, tu vois non? C'est bien relax, mais quand c'est des choses à trafiquer là, il y a les végétaux par-ci par-là, André, pour les panthères par-son là. Là, ça c'est pas original. C'est la queue qu'elle est vilaine. Si elle est vilaine, en débrouillée. J'ai un gros cul. Elle a gros cul. Elle est jolie bien. Jolie bien, mais je suis mariée, propre. Mais il ne veut pas bague là. Non, c'est Maradou là. Donc on est marié, mais pas bague. D'accord, merci. Voilà. Sinon, on est prêt pour le gros camion. Voilà. Tu peux pousser pour donner mon niveau, mais le gros camion, c'est mes voix. Non, on roule. En tout cas, mais elle te voit. Non, quand même, on te voit. Y a pas d'air. Faut... Mais t'as trompé ta chérie, ça compte plus? Non, pas la tromper. Elle joue là-haut. Un peu pour 4.